Salut tout le monde, c'est Van Rack et on se retrouve pour le 7ème épisode, le 7ème niveau du jeu LEGO DC Super Vilain. Donc la dernière fois nous étions allés chez les gorilles et on avait affronté Solovar parce qu'il avait repris la tête du peuple des gorilles à la place de Grodd. Et donc on a aidé Grodd qui du coup nous enlevait une et qui nous a accompagnés. Allez, on continue pour voir la suite. Bienvenue, Grodd. On fera les présentations plus tard. J'ai besoin de toi pour récupérer notre prochaine recrue. Tu veux que je trouve Sinestro? Choisis ceux qui te paraissent les plus utiles. Oh, je peux retrouver Sinestro. Moi, je suis son plus grand fan. Ouais. Et toi? Le nouveau. Oui, c'est un élément de plus en plus précieux. Très bien. Quelqu'un sait où commencer les recherches? Il a été capturé par le syndicat du crime et conduit sur Aura. La planète du corps des Green Lanternes. Je peux trouver un vaisseau pour nous y emmener. Très malin. Tu ne m'as pas fait venir ici pour ma personnalité. Ok, ils partent devant. Viens, mon discret ami. Si c'est un vaisseau qu'il nous faut, je connais justement un hangar près de Smallville où nous en trouverons un. Ok, donc faut bien aller par là. Ouais, bah, ils se déplacent vite, c'est bien. Pas besoin de prendre de véhicule, du coup. J'ai perdu toutes les pièces de ma lampe anti-bouche. Ouais, bah, je verrai ça plus tard. Hein ? Voilà, qu'est-ce qu'il me fait ? Il est où ? Je suis où là? C'est quoi ça? Faut être un crocodile. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que quoi? Mais. Sont normalement? Voilà, merci. Allez, on reprend le chemin. Ah non, mais je sais pas ce qu'il nous a fait là, avec ses sauts là, mais merci. Hein. Tu nous refais plus jamais ça. On se retrouve dans des décors là. On se demande où on est. Ouais, on se rapproche pas des masses. Hein. Même plutôt tendance à s'éloigner. Ah, là, ça va avancer. Visite Smallville, ouais. D'ailleurs, c'était bien la série Smallville, j'aimais bien. La jeunesse de Superman, tout ça. Enfin, une vision de la jeunesse de Superman. Un peu comme Gotham. La série sur Batman, avant qu'il soit Batman. J'avais un peu laissé tomber Gotham, là je reprends un petit à petit. Je suis en train de rattraper la saison 3 et 4. Dites-moi en commentaire, tiens, si vous regardez des séries qui sont basées sur ce genre de choses, comme Smallville, Gotham, si vous en voyez d'autres d'ailleurs. Même s'il y en a d'autres, il y a quoi? Il y a Iron Fist, c'est sur les... basé sur des comics aussi, il y a quoi, il y a Jessica Jones qui est Marvel, Daredevil, il y a plein en fait des séries sur les comics. Donc si ça vous dit, vous êtes obligé à rien, je vous laisse en commentaire me conseiller même peut-être des séries que je pourrais potentiellement ne pas connaître ou qui pourraient être potentiellement intéressantes à regarder. Toujours être sympa de conseiller ce genre de truc là, parce que des fois on découvre des séries qu'on ne connaissait pas, des séries, des films ou des animes, des mangas qu'on ne connaissait pas. La technologie de miniaturisation de Brainiac est incroyable. Je me demande si je peux... qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas censé être là. Atom, nous allons devoir le vaincre pour nous emparer du vaisseau de Brainiac. Now! Peu importe,
Vos chances de me battre sont microscopiques. C'est dingue, on a des petits niveaux avant les niveaux, quoi. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais pourquoi il a pas sauté? Tout à l'heure, il a fait des sauts gigantesques et puis là, il voulait pas sauter. Je devrais peut-être me concentrer. Vous voulez me dire ce que vous faites ici? Ou je dois demander à mon petit doigt? C'est vrai que moi aussi je peux grandir. Moi aussi, hein, je peux le faire, tiens. Vous osez m'interrompre en pleine recherche? Grosse erreur. Mais... il a fait l'animation d'esquive, pourquoi il a pas esquivé? Voilà. On peut s'attaquer au niveau maintenant, puis continuer l'histoire. C'est quoi tout ça? Du matériel que la Ligue des Justiciers avait entreposé. C'est des déchets? Pas entre mes mains, non. Il y a plus d'une façon de se rendre dans l'espace. Comme ce téléporteur express, par exemple. Allez, venez. Oh, qu'est-ce qui se passe, roi des mers? C'est marée basse? Cette terre est recouverte d'eau aux deux tiers. Si nous voulons tenir notre promesse, j'exige de l'aide pour pouvoir fouiller les océans. On nous a tous attribué un secteur, roi des mers. Aurais-tu à ce point peur d'échouer? Non, mais j'ai horreur de faire semblant de jouer les héros. Comme nous tous. Mais en nous faisant passer pour les sauveurs de cette planète, nous pouvons continuer les recherches sans éveiller le moindre soupçon. Tiens, roi des mers, je t'ai trouvé un assistant. Oh. La tour de garde. Quelqu'un est déjà passé par ici et a fait le ménage. Espérons qu'il nous a laissé un moyen d'aller sur Oa. Il y a forcément un vaisseau ici qui peut nous conduire sur Oa. Ces minables de la Ligue des Justiciers s'en servent tout le temps. Alerte. Intrusion. Verrouillage initialisé. Protocole de sécurité activé. Oh oh. Je crois qu'on s'est fait repérer, les gars. Il va falloir arrêter l'alarme. Attends, moi je peux pirater les ordinateurs logiquement, non? Il me semble. Oh, c'est pire. C'est pire. Dégage, 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 dégage. Erreur, échec des systèmes de sécurité. Mise à jour requise. Grod, à mon avis. Voilà. Tentative de réinitialisation. Échec du système. Erreur. Erreur. Veuillez contacter le technicien le plus proche. Réacheminement de l'alimentation. Échec du protocole de sécurité principale. Sécurité du hangar compromise. Réinitialisation de système requise. On ne peut pas passer. Hein.
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qu'on pourrait encore essayer? Vide là, d'accord. Je peux pas tourner la caméra, mais bien, mais d'accord, c'est le vide. Il n'y a pas rien qui sera invisible, on est d'accord. Pour la caméra. Tu leur frost, tu peux rien faire, non? Tu peux pas geler quelque chose, non? Ah, il y en a même pas encore un niveau en fait. En train de réaliser que là c'est toujours c'est toujours l'avant niveau. Ah, fallait passer entre comme ça, d'accord. Il faut moi, zut. Ok, bon. Ah, merci, pourquoi vous voulez pas la prendre? Ah oui, d'accord. C'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Ah, il veut. Bon. Plus d'alarme. Réinitialisation des systèmes de sécurité. Erreur. Ah, toujours. Erreur. Échec de la base de données. Échec de la réinitialisation des systèmes. Désactivation de la sécurité. Alimentation principale restaurée. Sécurité désactivée. Ouais, bah c'est mieux comme ça. Allez, plus d'alarme. Objectif, faut trouver trois trucs comme ça. On va tout péter. On va tout péter jusqu'à trouver ça. Et de 1. Mais non. Merci. Bon, ok, ça casse pas. Prends-le. Merci. Hop. Allez, ça aurait été, comme on n'est pas encore dans le niveau pour la suite de l'histoire, ça nous indique encore le chemin où aller. C'est vrai. Ok. Bon, si tu veux m'indiquer le chemin, tu veux pas m'indiquer où est le deuxième puis le troisième pendant que tu y es, non? Ouch. Non, mais Killer Frost, elle était juste devant. Elle peut pas le geler, ça? La vapeur, c'est de l'eau. Non, bon. Il y a une valve. On va essayer. Mais dégage, Crod. Ah, tout simplement. Ok. Chercher compliqué là où il n'y a pas besoin.
Ok, par contre le troisième. Le troisième. Mais si. Je fais ça. Je fais les machins dorés comme ça là. Ah, il faut suivre le tour, je croyais que... Non, d'accord, j'avais pas vu les pointillés, autant pour moi. Il faut suivre le tour. Je croyais qu'il fallait arroser les briques elles-mêmes, mais non, il faut découper tout autour. Très bien. Quand tu veux que ça disparaît, merci. Ah, là, faut qu'il refroste. Au bout de 16 minutes, on va peut-être pouvoir enfin commencer le niveau. Oui, merci, s'il te plaît. C'était encore un témoignage sur Atom qui affronte des bandits au Kansas. Aucun membre du syndicat en vue pour l'aider. Il est temps de contacter Monsieur Power Ring et ses super amis pour voir un peu ce qu'ils fabriquent. Clarkson m'a dit que Power Ring était sur la planète Oa, mais il ne m'a pas expliqué pourquoi. On va bien voir. Allô, le standard ? Oui, j'aimerais passer un appel sur Oa, je vous prie, pour les gardiens de l'univers. Tu crois pas que ça risque de coûter un max d'appeler une planète qui est aussi éloignée ? T'en fais pas, Jimmy. On est en PC. Je crois qu'il y a les gardiens de la galaxie dans le jeu. Si quelqu'un demande, il était comme ça quand on l'a trouvé, ok ? Libérez-moi ! Personne ne traite le grand et redoutable Sinestro de la sorte. Voilà. Nous te remercions pour ton aide. Cependant, il y a quelque chose chez toi, Green Lantern de Terre 3. D'assez étrange. Tu n'es pas ce que tu sembles être. Quoi ? J'ai l'anneau, le costume vert, les mouvements stylés, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Bon, c'est pas tout, mais j'ai des trucs à faire, moi. Alors, je peux y aller maintenant ? Un instant, reste. Pendant que nous, les gardiens de l'univers, décidons du sort à réserver à Sinestro. Oh, ça va encore prendre des plombes. Personne n'est blessé, c'est déjà ça. C'était terrible. Et tu sais de quoi tu parles. Bon, ça suffit. Trouvons plutôt un moyen de descendre. On ne peut pas dire que notre mission commence du bon pied. J'ose espérer que vous pouvez réparer le vaisseau. Quoi ? Bien sûr qu'on peut. Oui, on n'est peut-être pas des génies comme toi, Grodd, mais on sait se rendre utile. J'ai baissé le son du jeu, mais il est encore un peu fort. Hein. Faut quand même pas avoir... aller jusqu'à le couper non plus. Ça va éteindre les feux... Hein. Et bah c'est déjà fait ça, il est déjà éteint le feu là. N'importe quoi. On aurait peut-être dû faire un vol d'essai avant.
Il semblerait qu'en plus de nous aider à combattre nos ennemis, Sinestro doive maintenant nous ramener chez nous. Ouais. Espérons qu'il soit de bonne humeur. On va d'abord devoir découvrir où ils le détiennent. Allons-y. Tu es où, là? Ah, carrément de l'autre côté, là. D'accord. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh super! Je crois qu'ils nous ont repérés, les gars. Sans déconner. Ces imbéciles ne voient donc pas qu'ils ont affaire. Mais ils recommencent? Mais c'est pas vrai! Voilà, quand même, enfin. Oh non, pas ça. J'ai horreur de ça. Ok. Je suis pas doué à ce genre de jeu. Non. Voilà. Puis à gauche, là, on peut pas y aller. À gauche, là. On peut y aller. Ah non. Non mais je veux pas aller là-dedans. Mais elle est où Killer Frost là? Qu'est-ce qu'elle fout là cette... Non mais n'importe quoi. Ça te dirait pas de nous suivre de temps en temps, là, que de faire ton chemin de l'autre côté? Bon, Grodd, il m'énerve, Grodd, là. Allez, dégage. Ah. Un nouveau pouvoir. On va avoir tous les pouvoirs à la fin, ce serait cool. Plus besoin de changer quand on fait le jeu libre. D'accord. Mais les pierres en argent, là, je peux pas. D'accord.
Oui, faut le Joker. Ou quelqu'un comme le Joker qui peut le faire. Très bien. Dégage, crotte, minerve. Non, c'est... Voilà. Du mal à l'ordinateur par moment quand même, hein. Pas facile. Oui, on n'a pas. C'est sûr. Je peux peut-être utiliser mes pouvoirs de persuasion mentale sur cet innocent. Je vais devoir me rapprocher pour établir un lien. Encore une occasion de prouver ma supériorité. Tu veux ? Quoi ? Quoi ? J'ai pas compris là. Vert, jaune, bleu, rouge, c'est ça ? Attends. Vert, jaune, bleu, rouge, c'est ça ? Ok. Ça te bloque en plein milieu, c'est cool. En espérant qu'il ne me fasse pas tomber dans le vide. Ça doit être l'entrée du bloc de cellules. L'un de vous a une idée pour se débarrasser des gardes? J'en ai bien peur. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense que l'épouvantail a l'intention d'utiliser sa toxine de terreur. Oui. C'est ça. Ah d'accord, je comprends maintenant. Parfois quand on fait équipe avec d'autres vilains, on oublie à quel point les jeux de mots sont importants. Ok, un peu de signe de terreur pour l'épouvantail. Il faut s'en servir où, au juste. Ça. C'est derrière eux, c'est pour l'instant ça. J'imagine qu'il faut un troisième élément. Pas comme dans le film où c'est le cinquième. Mais je sais, c'est pas drôle. Bah oui, mais ça marche pas, ça, c'est pas un truc de charge, ça. Ah, bien d'accord, ça marche pas. Bon, j'avais beau attendre tout le temps que je veux, ça marchera pas. Ah c'est bon, il a tout ce qu'il faut là. Ah faut venir y mettre là.
Ah, l'épouvantail, bon sang, mais c'est énervant. Il donne pas ce que tu veux, c'est chiant. Je ne peux rien faire. C'est vrai qu'on effraie difficilement des objets. Ah là. J'avais pas vu. J'avais pas vu du tout. Oui. Laissez-vous envahir par la peur. Accueillez-la. Je dois avouer que tu maîtrises parfaitement ton rôle, l'épouvantail. Merci beaucoup, Grodd. J'aime à penser que voilà, là, ça marchera. Toute la différence. Voilà, là, ça marche. A besoin de ton aide sur Terre. J'ai une dette envers Lex. C'est d'accord. La Terre tout entière va trembler devant moi. Tu vas quelque part, Sinestro? Ah, notre dernière recrue va nous montrer à tous comment elle t'a battu la dernière fois. Wow. N'est-ce pas? Moi? La dernière fois, D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Ta volonté est faible. Tu vas perdre cette fois. Je ne peux pas faire ça. Occupez-vous d'eux, les gars. Allez, vite. Alors, on est pour 50 ennemis. On règle leur compte et on n'en parle plus, ok? Allez, les vilains. Préparez-vous à perdre, d'accord? Qu'est-ce qu'il prend? À qui est-ce qu'il parlait à l'instant? Son anneau de puissance. Je crois que sa volonté est si faible que c'est l'anneau qui guide toutes ses actions. Assez de cette mascarade. Nous allons lui montrer la vraie puissance du corps de Sinestro. Et lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ça va être ça, oui, d'accord. Prends ça! Pas l'imitation! Excellent travail, Sinestro! Oh, il est temps de se rendre, on dirait. Quoi? Tu veux pas continuer de se battre? Oh non! Bon, je l'arrête comment là? Ah. Ouais, donc il est fini de tourner, d'accord. Ok, si je peux même pas sauter par dessus pour l'éviter, c'est cool. Non mais là il était loin de moi quand même. Faut pas exagérer non plus.
Oh, là, c'est bon. Cette fois, on est vraiment énervé. Ouais, vous allez voir notre énervitude. C'est bien leur truc de combo, parce que même sans les briques multiplicatrices de pièces, t'as quand même des multiplicateurs petits quand tu compares aux briques rouges, c'est pas pareil, mais bon. C'est sûr que quand t'as toutes les briques rouges x2, x4, x6, x8, x10, t'es à 6000 et quelques multipliés, c'est sûr que c'est pas pareil. Hein. Mais bon. Bon, il y a un ennemi que j'entends faire. Eh, oh. Oui, mon Killer Frost. Et mon perso est rétissé. Pourquoi? Je sais pas. Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter? Eh bien, tout ce que j'ai à dire, c'est que vous avez peut-être tort. Ah, pas une araignée. Rien n'est plus fort que le pouvoir de la peur. Pas une araignée, non, non. Ah. Bien dit. Je pense qu'on va bien s'entendre. Oh, pas plein d'araignées. C'est encore pire. Je sais pas ce qui est le pire. Non, ça recommence. Plein de petites ou une énorme. Ce genre de choses n'arrive qu'à moi. Je sais pas, là. Sinestro, vite. C'est peut-être notre seule chance de nous échapper. Regagnons la terre, Luthor nous attend. Ok. Hop, véritable vilain. Ouais, bonne mini-kit. Non, tout ça, ça va se faire en jeu libre. Ouais non, voilà, allez, niveau terminé. Donc on a récupéré un allié de plus. Sinestro donc qui va pouvoir utiliser les mêmes pouvoirs que Green Lantern, donc ça va déjà nous débloquer certaines utilités de gameplay. Et du coup on avance un petit peu dans l'histoire. Là on est en train de regrouper toutes sortes d'alliés pour pouvoir affronter la ligue. La mauvaise ligue. Sur ce, je vous dis ciao, on se retrouve bientôt pour le prochain niveau. A bientôt, bye bye.